disguising. She's a little handful of trouble, a bundle of fun. Glad you could make it, so glad you could come. Little Miss, we're waiting for you. Ready, steady, how do you do? Madame Catastrophe adorait rendre service aux gens. Voilà une belle journée pour aider quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Hélas, elle ne leur attirait que des ennuis. Une vraie catastrophe. Par exemple, un jour, les lacets de chaussures de Monsieur Grand se dénouèrent. Je vais vous aider! Cria-t-elle. Quand on est aussi grand que Monsieur Grand, il n'est pas facile de se baisser pour attacher ses lacets, tu t'en doutes. Et Madame Catastrophe trouva le moyen de nouer les lacets ensemble. Et au premier pas... Monsieur Grand trébucha. Quand on est aussi grand que Monsieur Grand et que l'on tombe, on tombe de haut. Oh, ça fait mal. Oh, ma tête. Je vais vous aider, dit Madame Catastrophe. Et elle essaya par tous les moyens de soulever Monsieur Grand. Ouh, allez, encore un petit effort. Voilà, par ici. Oh, si seulement vous n'étiez pas si grand. Comme ses efforts étaient sans succès, elle réfléchit un instant et dit « Reviens tout de suite !» Elle alla directement chez le vieux magicien. Comme il n'était pas là, elle entra et jeta un coup d'œil au livre de magie sur la table. Elle tourna les pages jusqu'à la bonne formule magique. Grand devient petit quand je dis petit, petit devient grand quand je dis grand. Ah, mais je devrais pouvoir m'en souvenir. Pas de problème. Elle retourna vite vers Monsieur Grand. Elle le regarda, agita la baguette magique qu'elle avait empruntée et dit « Grand devient petit quand je dis petit !» Monsieur Grand rétrécit à vue d'œil pour devenir tout petit. Ça a marché, ça a marché. La formule a marché. Monsieur Grand put sans problème se mettre sur ses pieds et dit « Merci. Maintenant, rends-moi ma taille normale, s'il te plaît. » Mais pendant qu'elle essayait de se souvenir de l'autre moitié de la formule, Monsieur Petit passa par là. Ah, Monsieur Petit, je vous présente Monsieur Grand, dit Madame Catastrophe. Mon œil, il est aussi petit que moi. Juste un instant. Grand, soit petit, et petit, grand. Non, c'est pas ça. Petit et grand, grand et petit. Oh, ben non, c'est pas ça non plus. Ah, voilà. Petit soit grand quand je dis petit, ou petit et grand sont. Non, non, c'est petit, c'est grand, c'est... Maintenant, tu sais pourquoi on l'appelle Madame Catastrophe. En avril dernier, Monsieur Heureux se réveilla un matin pas très en forme. Il fit donc venir le docteur dans sa petite maison au bord du lac, au pied de la montagne. Oh, mon pauvre monsieur, dit le docteur. Vous avez la rougeole. Le sourire de Monsieur Heureux tomba net. Il va falloir garder le lit, rester bien au chaud, bien au calme, dormir le plus possible et prendre ce médicament 3 fois par jour. Le docteur s'en alla et Monsieur Heureux ferma les yeux. Il venait de s'endormir quand, en bas, on frappa très fort à sa porte. Oh non ! Gémit Monsieur Heureux. Il descendit cependant ouvrir. Qui était là ? Je viens vous aider ! Cria Madame Catastrophe. Mais... Il n'y a pas de mère, répliqua-t-elle. Allez vite au lit, je m'occupe de tout. Madame Catastrophe regarda autour d'elle. Eh bien, votre maison a besoin d'un peu de ménage, dit-elle. Monsieur Heureux remonta se coucher. Il allait s'endormir lorsque Madame Catastrophe passa le bout de son nez dans la chambre. Où avez-vous mis la brosse? Demanda-t-elle. Pauvre Monsieur Heureux. Il dut redescendre pour lui montrer où elle se trouvait. Puis il retourna au lit, bien décidé à dormir cette fois. Madame Catastrophe brossa le carrelage de la cuisine, puis elle recula de 3 pas pour admirer son travail. Mais elle marcha sur le savon et elle tomba tête la première dans le seau. Et comme elle n'y voyait rien, elle se cogna à une étagère. Toutes les casseroles roulèrent par terre. Oh, quel bruit d'enfer! Oh, et ce n'est pas tout. Comme elle n'y voyait rien, elle mit le pied dans une casserole. Ce n'est toujours pas tout. Comme elle marchait à cloche-pied, elle trébucha, s'agrippa au réfrigérateur qui s'ouvrit en grand. Et toutes les provisions de Monsieur Heureux tombèrent en avalanche sur Madame Catastrophe. Oh !
Réveillé en sursaut par cet effroyable vacarme, Monsieur Heureux sauta de son lit, dégringola jusqu'à la cuisine et ouvrit la porte. Il en resta bouche bée. Oh ! Là, au beau milieu d'une mare de lait et d'une flaque d'eau, au beau milieu d'une douzaine de cassées, d'un tas de casseroles renversées, d'une meute de beurre aplati, de bananes écrasées et de tomates éclatées, Madame Catastrophe restait assise, un seau sur la tête, une casserole aux pieds. Au secours ! Disait une voix étouffée. Au secours ! J'y vois rien ! Au secours ! Monsieur Heureux prit le seau à deux mains et tira de toutes ses forces. Il tira, tira, tira encore. À nouveau ! Et le seau sauta comme un bouchon de champagne. Monsieur Heureux fila comme un boulet de canon. Il passa à travers la porte. Il survola son jardin, traversa la haie et atterrit sur le pré en pente. Là, il se mit à rouler, rouler, rouler vite, de plus en plus vite. Et à la fin, il plongea dans le lac, le seau à la main. Une casserole au pied, une petite dame sortit alors en clopinant de la maison. En se dirigeant vers le lac, Madame Catastrophe cria. Hé, ne bougez pas! Je vais vous aider!